Impressionnant, il fallait faire attention, surtout à l'intérieur, au niveau du sol, pour se rapprocher un peu de l'hôtel par exemple. Et comme il y a des morceaux de voûte qui se sont effondrés, d'autres morceaux peuvent tomber encore. Il n'y a plus de pression, si vous voulez. La voûte avant était sous pression, maintenant il n'y a plus de pression, elle était humidifiée, donc des morceaux de pierre peuvent tomber, voilà, donc il fallait faire gaffe. Surtout la tour nord à l'intérieur, ou le plancher qui est en dessous. Des cloches aussi est dangereux parce qu'au milieu, voilà, ça a été fragilisé avec l'eau et le début de l'incendie. Donc il y a beaucoup de plomb aussi qui a coulé. Bah, il y a pas mal d'eau, oui. Il y a des endroits, le carrelage, où il y a, je crois, 4 cm d'eau, 3 cm d'eau. Oui. Et surtout au niveau du cœur où tout s'est effondré, vous avez un amas de pierres et de poutres brûlées. Quand ça s'est effondré, il y avait le feu a commencé à l'intérieur, au niveau du sol. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le robot, entre autres, pour éteindre ce feu et refroidir un peu les murs à certains endroits. Oui, l'hôtel moderne, l'hôtel, on va dire, Paul VI, a été abîmé, hein, écrabouillé, aplati. Par contre, l'hôtel ancien avec la Sainte Vierge et son enfant, plus loin, n'a pas été abîmé. Donc la croix en or n'a pas été abîmée. Moi, je suis monté sur l'orgue. Il y avait un peu d'eau, mais ça n'a pas été inondé. Il y avait beaucoup de poussière de fumée, hein, poussière, espèce de poussière de bois. Voilà, il y a ça. Apparemment, les rosaces sont intactes. C'est côté sud, hein, donc j'ai photographié la rosace côté nord. Moi, je n'ai pas vu de trou. Maintenant, les experts vont prendre forcément des nacelles pour inspecter de près les rosaces. Non, je n'étais pas accompagné. J'avais quelques... quelques consignes des pompiers, oui. Les consignes, c'était de ne pas sortir d'espèce de couloir où il y a des petites voûtes. Je ne sais pas si vous voyez dans le tram de Paris, de chaque côté, vous avez, sur vraiment de chaque côté extrême, vous avez une espèce de couloir protégé par un plafond assez bas. Des petites voûtes assez basses, donc je restais en dessous de ça. Voilà, je n'allais pas
en dessous des voûtes géantes où est tombée la flèche, parce que là, ça pouvait s'écrouler, ça pouvait s'effondrer. Thank you.
Thank you.